Angers a accueilli samedi et dimanche le championnat de France Marathon Roller, un événement dont le temps fort a eu lieu dimanche après-midi avec la course des élites hommes, une épreuve d'endurance sur un parcours de 42 km. Le circuit routier avait été aménagé dans le quartier de Belbeil. Top ! Allez voilà, c'est parti, bonne route ! Parti pour une heure environ de gros efforts. Deux tours avant la fin, c'est le favori, le Nantais Yann Guyader, qui a réussi à s'échapper. Et c'est lui, déjà victorieux la veille du chrono individuel, qui a remporté la course et le titre de champion de France. J'aurais pas pu espérer mieux. C'est vrai que j'avais quelques doutes parce que, contrairement aux autres, moi je fais ça professionnellement. Donc je voyage un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'avec la longueur de la saison, les décalages horaires, ça transforme l'organisme et ça devient vraiment difficile en fin de saison. Donc j'étais quand même pas très très sûr de gagner. Après la performance d'hier, les quelques doutes qui étaient présents avant le championnat, c'était un petit peu envolé. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai reprouvé que la forme était là, quoi. Pour le champion de France, encore une course à disputer, cette fois au Venezuela. Et ensuite des vacances bien méritées.